On a fait une compile des chefs en votre honneur, Yves Cambodorde. Oui, oui. Alors, un, deux, test. C'est en direct. Test, alors là, Dany Moreau vient de se lever. Il a le micro dans la main. C'est bien, ça commence à prendre. Oui, voilà. Alors, non, non, oui, on vous a préparé, nom de Dieu, une petite compile aux petits oignons. Allez, c'est parti, on y va. Que ta cuisine est bonne. Filet au minestrone. Sans poulet aux hormones. Man, c'est une régalade. Que ta cuisine est bonne. Bonne. Non mais attendez, moi quand j'entends dire que pour la cuisine c'est Schmitt, ça me met hors de moi. La cuisine c'est con de bord. Derrière ses fournes debout, il prépare des sauces, des ragoûts. 6 heures du mat au garde à vous. Bienvenue au comptoir du relais, mais faudra faire la queue, vous comprenez. Ça c'est sûr, quand il va à Rungis, tu peux pas l'arnaquer sur la qualité des produits. Perdu tout au fond d'un cageot, entre les poires, les haricots, il va pourrir la nana. Mais quand... Chanteur culinaire. Mais quand il était apprenti au Ritz, il a dû en faire des conneries de Dieu. Il a raté la mayonnaise. Mais pas question de chanter, de chialer pour des oignons. Un masterchef, il donne même des bons conseils. Avec les pâtes, faut mettre du bistour. Ça fait vraiment tout. Yves Condebord, nom de Dieu, il a révolutionné la cuisine de bistrot, surtout avec la lotte. C'est la lotte finale au menu de la au four ou à la poêle. C'est meilleur que le boudin. Une réaction, Yves, à cette chanson. Une réaction. Il pleure. Une réaction. Il pleure de rire. Ah, je suis ému. Je suis très ému. Je suis très Vous allez très la ému. Passer en boucle dans le. Ah oui, oui, je veux l'enregistrement, ça.